Eh bien salut à tous et à toutes, comment allez-vous? C'est Collection SW47 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc d'ouverture de colis. Et aujourd'hui je vais ouvrir le colis d'un abonné, donc même qui est maintenant un ami. Enfin ouvrir c'est un bien grand mot puisque le colis quand j'ai ouvert ma boîte aux lettres était déchiré. Donc j'ai fini par le enlever complètement parce que de toute façon ça tenait presque plus. Donc voilà, heureusement rien n'a été perdu ou volé. Donc voilà, je vais vous présenter les items qu'il m'a offert et on va commencer avec la petite lettre qu'il m'a écrit, avec une petite photo, enfin image de Kiloren. Donc il m'a écrit: Salut Théo, voici le colis que tu attendais, j'espère que les cadeaux en plus te feront plaisir. Continue ainsi ton magnifique parcours sur YouTube, tu le mérites, plus de 400 abonnés, GG à toi. À bientôt, pardon, mon ami, et que la force soit avec toi. Mais écoute, que la force soit avec toi, et merci vraiment pour. Pour les achats que j'ai effectués et pour les cadeaux qui sont vraiment super cool. Franchement, il fallait pas parce qu'il y a vraiment des trucs. C'est vraiment très sympa. Donc, dans le colis, j'ai eu ça. Donc, il y a écrit cette année-là. Cette année-là, là, ici en rond, 1977. Star Wars, donc avec des photos du New York Times derrière, en fond. Et donc derrière il y a des petits textes, donc je vais pas vraiment tout vous lire, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Après vous n'aurez plus qu'à faire pause. Voilà, c'est la une du magazine de 77, j'ai l'impression. Quand Star Wars est sorti. Voilà, donc ça c'est super cool. Après, il m'a offert donc un comics Star Wars que je n'avais pas. Alors j'ai très hâte de le lire. Voilà. Donc c'est la collection Panini Comics. Voilà. Je vous montre un peu quelques images. Il a l'air vraiment sympa. Voilà. Merci beaucoup pour ça parce que bon, j'en ai pas beaucoup et c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir de la lecture Star Wars et celle-ci a l'air plutôt pas mal. Donc voilà. Après, il m'a offert une Hot Wheels, donc il s'agit pardon de la Corvette de 1962. Donc ça c'est une sorte d'édition limitée 2010, de 2010, c'est marqué en haut collector 2010. Voilà, donc que je n'ouvrirai pas, qui est vraiment super belle. Qui va rejoindre les autres. Merci beaucoup parce que je m'y attendais vraiment pas. Et donc voilà, ça fait plaisir parce que je sais que lui, il sait que j'aime pas que Star Wars et il a bien choisi en plus. Elle est vraiment très belle. Merci beaucoup. Hop. Après, niveau achat. Donc j'ai 4 figurines. Donc j'ai un Wookie. Je sais plus si c'est un. Je sais pas si c'est un personnage qu'on peut voir dans l'épisode 3 avec Chewbacca. Je me rappelle plus trop leur nom. Si c'en est un, ben voilà. Donc voilà. Donc je voulais un autre Wookie. Je suis bien content de l'avoir. Avec son arme. Qui est vraiment très belle. Donc figurine complète apparemment en très bon état. Voilà, avec multiples points d'articulation. Voilà, avec sa petite sacoche. Vraiment très belle figurine. Hop, que je vais poser. Après, j'ai eu un. Allez, viens là. Hop. Un petit Jawa. Donc, figurine que je n'avais pas. Hors blister, pardon. Donc là, j'en ai enfin une. Avec son pistolet. Enfin, son blaster que je vais vous montrer. Voilà. Donc, il a l'air complète aussi. Donc, aussi avec plusieurs points d'articulation. Elle date de 2009. Voilà, très très belle figurine. Après, j'ai eu. Il y a quoi? Il y a celle-ci. Donc, Kit Fisto,
que j'avais en version The Clone Wars, mais que je voulais en version non The Clone Wars, donc des films. Donc ça, je crois que c'est de la Revanche des Sith 2004, ou oui, ou de l'Attaque des Clones, mais je suis plus sûr pour l'Attaque des Clones en fait. Voilà, donc aussi avec des multiples points d'articulation, pardon. Hop, son sabre laser. Très très belle figurine aussi, que je suis content d'avoir. Voilà. Et pour finir. Hop. Yep là. La figurine d'Agent Collar que je n'avais pas et que je suis vraiment content d'avoir. Donc avec sabure en tissu. Donc celle-ci aussi date de 2004. Très très belle figurine aussi. Bon, je vous fais pas de présentation, c'est juste pour vous montrer le contenu du colis. Ouais, vraiment content de l'avoir. Donc si je récapitule assez vite, la Corvette. Les figurines, donc là, enfin, le Wookiee, pardon, Kit Fisto, Agent Collar. Voilà. Le petit Jawa. La petite carte qui fait vraiment plaisir. Le comics. Enfin, la BD. Et pour finir, donc ça ne vient pas de lui, mais un achat que j'ai effectué. J'aurai bientôt une vidéo dessus aussi. Donc j'ai reçu mon Predator, donc figurine NECA. Voilà, j'ai hâte de l'ouvrir et de vous la présenter. Donc je l'ai eu pour 16 ou 17 euros avec les frais de port. Voilà. Qui fait, ouais, elle doit faire 20 cm à peu près. Donc il y a des multiples, il y a plus de 20 points d'articulation. Et elle est complète, neuve, mais je vais l'ouvrir. Donc voilà. J'ai vraiment hâte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je te remercie encore pour ton colis. Il a été vraiment, vraiment sympa. Je suis vraiment heureux de ce que tu m'as offert et de ce qu'il y avait dedans. Donc je vous remercie aussi tous et je vous souhaite à tous une bonne journée. Si vous venez de découvrir ma chaîne avec cette vidéo et que vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit commentaire et à aimer la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir et je répondrai à vos commentaires comme d'habitude avec grand plaisir. Allez, salut tout le monde!